du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers fidèles, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois copte Touba et j'aimerais vous parler et répondre à la question suivante. Pourquoi le petit Jésus fut sauvé de la main d'Hérode? Comme introduction, dans l'évangile d'aujourd'hui, l'ange du Seigneur apparut trois fois en rêve à Joseph, en lui demandant de fuir en Égypte, puis de retourner dans le pays d'Israël et de se retirer en Galilée. Le but étant de sauver le petit Jésus. Pour quelle raison? La réponse est très simple. C'est pour accomplir la mission pour laquelle il est venu sur terre. Il l'a dit lui-même dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Donc, sa mission consiste à prêcher son salut aux Juifs et aux païens, c'est-à-dire les non-Juifs, que nous pouvons aussi les appeler les nations. Quant aux Juifs, dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, il proclamait le message dans les synagogues de la Judée. Et dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, il descendit à Capharnaüm, ville de la Galilée, il enseignait le jour du sabbat. Et dans le psaume de l'office de la Sainte Liturgie, le Seigneur s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Concernant les païens, que nous appelons aussi les non-juifs ou les nations, dans l'épître de saint Paul aux Romains, dans l'office de la Sainte Liturgie, c'est écrit « C'est pourquoi je te reconnaîtrai parmi les nations et je chanterai ton nom. » Il dit encore « Nations, soyez en fête avec son peuple. » Et dans les actes des apôtres, dans l'office de la Sainte Liturgie, à leur arrivée, nous parlons de Paul et Barnabé, ils rassemblèrent l'Église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Et dans le psaume de l'office de la Sainte Liturgie, le Seigneur a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Nous pouvons même dire que le fait de sauver le monde était le but de son incarnation. Notre Seigneur Jésus a dit « Mais c'est pour cela que je suis venu. » Pour conclure, bien que le méchant roi Hérode avait envoyé tuer tous les enfants de 2 ans ainsi que les plus jeunes qui se trouvaient à Bethléem et sur tout son territoire, il n'a pas réussi à tuer le petit Jésus grâce à la providence divine qui l'a sauvé des mains d'Hérode. Que notre Seigneur nous protège toujours de tout mal par sa providence divine et gloire à lui éternellement.